Mesdames et messieurs, aujourd'hui on est à Colombe, dans le 92, on est avec Colombe Jeunesse exactement. On va essayer de trouver l'équipe qui va rejoindre et trouver sa place pour la grande finale. Et surtout, il y a un speaker avec nous. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Rachid. Yeah, ok la famille, je suis avec la première équipe, ils vont se présenter. Nous c'est la Gêne Miracle, aujourd'hui on est là pour gagner le tournoi. On est l'équipe FG Sharks et la finale à Paname c'est pour nous. On est FC Colombe, on est là pour gagner. Le FC Mitar, pas besoin de parler beaucoup, on est là pour gagner le tournoi. C'est la 08 FJ, j'ai juste une phrase à dire, on va choquer quelques-uns. On est le FC Oudra, on représente Musodra. Alors nous on représente le FC 927, on représente la ville de Colombe. Je représente Colombe FC. Ouais bonjour, c'est les KT ici, on est là pour représenter notre quartier et on est là pour gagner tout simplement. Premier quart de finale entre Gêne Miracle et la team 08FJ. Une différence de taille et d'âge entre les deux équipes. On a failli assister à une surprise, mais c'est bien Gêne Miracle qui s'est imposé 3 buts à 2 et file en demi-finale. Prochain match, ça va être c'est police, c'est ça. Regardez bien. On enchaîne avec ce deuxième quart de finale entre le FC Audra et les 4C, avec un joueur connu des services, le jeune Amin Streetfoot, très fort en pana. Mais attention à ne pas être trop gourmand, on atteste ce but des 4C. Amine, c'est comment? Je vais le choquer. Il va le choquer. Allez, dos à dos les gars. Un match très disputé qui s'est terminé en 1 contre 1. Et c'est le joueur des 4C qui donne la victoire aux siens. C'était très tendu, là on passe au troisième match. J'espère que ça va être aussi chaud. Troisième quart de finale avec un match à nouveau très disputé avec une avalanche de buts. Deux équipes avec un niveau de jeu très élevé et qui ont l'habitude de jouer en salle. Mais il fallait bien un vainqueur et c'est le FC 927 qui s'impose après un match très disputé. Big up au FC Mitar. Il y a du niveau, ils sont physiques. D'ailleurs pour l'instant il y a beaucoup de jeux physiques. Mais on voit des belles choses et ils sont surexcités, je sais pas ce qu'ils manquent. FJ Sharks face au FC Colombe, c'est le dernier quart de finale de cette étape. Un match équilibré où les gestes techniques et les buts ont coulé à flot. Une courte victoire des FJ Sharks leur permet de se qualifier pour les demi-finales. Big up aux jeunes de Colombe avec ce petit match d'exhibition qui montre tout le potentiel des jeunes de la ville. Regardez ça. C'est la première demi-finale, le match va être tendu, aujourd'hui il y a beaucoup de niveaux mais beaucoup de physique. Quel match, la team Gêne Miracle, l'équipe favorite de ce tournoi. Les mêmes maillots, un capitaine désigné, on a senti la team Gêne prête à remporter cette étape de qualification. Non, c'est pas ça, c'est les gars, pas de physique, pas de personne à terre. Et ils n'ont pas manqué leur rendez-vous avec une flopée de gestes techniques et de buts. Direction la finale pour eux, bravo aux 4C qui n'ont pas démérité. Bien joué les gars, super. Qui va rejoindre les Gêne Miracle dans cette deuxième demi-finale? Le FC 927 et les FJ Sharks se sont rendus coup pour coup. 10 buts marqués dans cette demi-finale où les FJ Sharks s'imposeront par 2 buts d'écart. Place au pana et au freestyle maintenant, c'est showtime. On peut l'applaudir. Ouh. Finaliste, faites un maximum de bruit pour l'équipe FJ Char, s'il vous plaît, du bruit. Pour l'équipe Gêne Miracle, s'il vous plaît. Alors, équipe Gêne Miracle, vous avez quoi à dire? Bah, on a bien commencé le tournoi. Là, comme j'ai dit au début, on va arriver en finale et les petits de notre quartier, mais il n'y aura pas de sentiments. On va les taper. Oh, il a dit on va les taper. 2, 1, let's go. Quelle finale! Deux équipes ultra motivées, prêtes à en découdre et cela commence fort pour le FJ Sharks qui mène très rapidement au score avec 2 buts d'avance. Mais c'était sans compter sur la réaction de la team Gêne qui réduit la marque et qui égalise par la suite. Rien n'est joué. Grâce à un sombrero validé par les juges. Ils lèvent leur pancarte, mesdames et messieurs.
La team Gêné Miracle prend l'avantage dans cette finale. FJ Sharks égalise dans la foulée puis prend l'avantage 4-3. Oh là là, s'attendait à K en plein match. Et il reste 30 secondes, 5-4, attention, 5, 4, 3, 2, 1. On va faire la règle du but en or. Moi, je propose, voilà, on rajoute 4 minutes, c'est la moitié. 4 minutes de plus, ça part. Une finale, ça. Les juges décideront de laisser 4 minutes supplémentaires pour départager les deux équipes. 3 buts et un geste technique auront suffi à la team Gêné Miracle pour s'imposer dans cette prolongation. Bravo à FJ Sharks, ils se sont bien défendus. On espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était un grand plaisir d'être ici à Colombes. Colombes, faites du bruit s'il vous plaît. Capitaine, un petit mot. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le tournoi. Comme on a dit au début, on allait gagner et c'est chose faite. Ouais. Du coup, bah, on sera très méchants à Paris. Et... cette vidéo est terminée les gars, la recette elle a pas changé d'ici là. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de... liker, de... commenter, de... partager, et surtout... abonne-toi et merci. Merci.